Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante DMC. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de guide sur The Surge pour les armes 2.0. Donc, qui dit deuxième vidéo dit évidemment deuxième boss. Hein. Normal, on va dans l'ordre. Donc là, on va se rendre au boss directement. Donc, on va prendre l'ascenseur, on esquive le mec qui est derrière, hein, c'est pas trop un problème. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous pensez avant à bien configurer vos implants pour vous mettre un maximum de vie, de soins, ce genre de choses. En fait, un petit peu à votre convenance. Et on va aller faire un petit peu ce boss. Alors là, ici, pour vous faciliter la tâche pour descendre, il y a un petit raccourci sur la droite. Donc vous longez un petit peu le tuyau rouge là, hop hop, vous tournez à gauche. Voilà, comme ça va vous permettre de faire toute la pente sans vous prendre la tête. Donc on avance dans le couloir hein, tranquillement. Et après, on va voir un petit peu le boss, comment ça se déroule. Vous allez voir, le boss n'est pas très compliqué à partir du moment où on fait attention. Normalement, ça se passe bien. La phase 2 qui est un peu dangereuse parce qu'il peut one-shot. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand, ça va bien se passer. Donc là, vous loquez le mec, vous laissez tomber, vous tapez. Bon, évidemment, j'ai fait de la merde. Et bref, normalement, on tape, on tombe dessus, on déloque et on se casse. Voilà. Et normalement, il n'y a pas de problème. Allez, on rentre dans le boss. Donc ça, c'est le boss qu'on voit dès le début du jeu, en fait. Vous savez, qui s'envole un petit peu. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, quand il se lève comme ça, vous esquivez un petit peu sur le côté, rien de compliqué. Et là, en fait, on va pas être trop gourmand, on la joue un petit peu safe. Ce qu'il va falloir faire, c'est on dash, on tape et on se casse. On redash vers l'arrière, tout simplement. Voilà. Donc en prenant soin d'avoir assez d'endurance. Alors j'ai un petit peu de mal à gérer l'endurance sur cette partie-là, parce qu'en fait, à côté, je suis sur mon du Game Plus, où donc j'ai beaucoup, beaucoup d'endurance. Donc j'ai du mal à économiser un petit peu tout ça. Alors essayez de préférence de viser des pattes qui sont en face de vous. Comme ça vous permet de bien reculer et de limite pouvoir refaire une attaque juste derrière. Alors on évite de se prendre dans le truc, hein, évidemment. Voilà, et là dès qu'il est stun, on le bourre. Là on a été un peu lent. Et donc en fait le but sur ce boss, tout simplement, ça va être de réussir à péter toutes ses pattes avant qu'il crève. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste lui péter toutes ses pattes. Voilà. Donc là, on lui a cassé une patte. Là, on fait attention. Il va nous retomber dessus. Alors, petite astuce, sachant que quand vous lui pétez une patte, ça vous charge votre énergie au maximum. Là, quand il tire la boule bleue, il y a juste à esquiver sur le côté. Il n'y a rien de compliqué. Il en enchaîne pas mal, non? Je sais pas ce qui lui arrive, il est bugué ou quoi, là? Donc là, il part en l'air, donc on esquive sur le côté. Ça, c'est simple. Hein. On dash en avant, on tape, et on dash en arrière. On se prend pas la tête. Bon, alors, on peut mettre plusieurs coups, hein. Mais bon, vaut mieux être safe. On sait jamais. Donc là, j'étais très long. Essayez aussi de gérer un petit peu l'endurance, hein. Comme je vous le dis, moi là j'ai du mal parce que je suis habitué à en avoir beaucoup plus. Bon, là on s'est pris un vent mais de puissance phénoménale. Et donc quand vous lui répétez 3 pattes, ensuite vous arriverez en phase 2. Et la phase 2 c'est la phase qui peut être un peu dangereuse parce que justement à ce moment-là le boss peut vous one-shot. Hein. Alors je fais n'importe quoi. Allez, c'est presque fait. Ouais. Alors, je gère pas du tout mon endurance. Il y a le problème, là. Voilà. Donc, quand ça vous fait sauter au ralenti, c'est que vous arrivez en phase 2. Donc là, surtout attention, on se prépare parce que là, il va se relever, il va se mettre à faire la toupie, mais d'une puissance phénoménale. Donc on se prépare
à partir. Donc là, soit on fait beaucoup d'esquives, hein, soit on court. Je l'évite le temps qu'il fasse sa toupie. Donc sans le lock, hein, y a pas besoin. Au contraire. Voilà. Et là, quand il est comme ça, surtout, vous visez ses jambes. Jamais le petit truc qu'il y a en bas au milieu. Hein. Là, il y a un petit truc en bas au milieu. Jamais faut viser ça. Vous visez que les jambes, surtout. Et en fait, là, faut essayer de rester le plus éloigné de lui possible. Et en fait, quand il va se lever, il va essayer de vous foncer dessus. Là, on va le voir, là. Là, regarde, il se lève, il nous fonce dessus. Et à ce moment-là, vous allez sur lui, vous faites une glissade et vous tapez. Pour pouvoir vraiment faire un coup... un coup en hauteur qui va pouvoir aller péter ses pattes. Parce que sinon vous allez galérer à toucher ses pattes. Si vous allez dessus en fonçant en fait pour toucher ses pattes, une fois sur deux vous allez louper. Quand faisant la glissade ça va bien se passer. Par contre faut esquiver tout de suite après la glissade. Hein. Sinon là il risque de vous faire de gros dégâts, ce qui va sûrement arriver tout à l'heure. Hein. Mais surtout vous restez loin, vous attendez qu'il vous fonce dessus, donc il se lève, il fonce dessus. Et à ce moment-là vous faites une double esquive sur la droite pour être bien safe. Et là vous courez, glissade, le petit coup. Bon là on s'est foiré mais c'est pas trop trop grave. Et normalement ça se passe bien. Donc moi je préconise d'attendre vraiment l'attaque où il vous fonce dessus pour pouvoir l'esquiver et aller l'attaquer ensuite. Ça permet d'être plus safe, ça permet surtout de voir son attaque venir. Parce que cette attaque là en fait elle one shot. Hein. Je vous le dis. Et surtout ne visez que ses pattes. Alors surtout, important, si vous voyez que par rapport au point de vie qui lui reste, le prochain coup que vous allez lui donner, ça va le tuer sans lui péter sa patte, ou qu'il y a un risque que ça pète pas sa patte et que ça le tue, bah surtout vous vous laissez mourir et vous recommencez. Hein. Ce serait quand même dommage de louper l'arme pour si peu, surtout que celle-là elle est pas trop compliquée à choper. C'est pas la plus simple, mais c'est pas la plus dure non plus. Hein. Disons qu'il faut surtout faire attention à pas le buter trop vite. Donc on pourrait le taper plus régulièrement. Hein. Mais là je vous montre vraiment les manières d'être assez safe. Parce que je vous dis, quand il vous fonce dessus c'est du one shot. Donc vaut mieux savoir quand il va foncer. Vous voyez. Au moins il n'y a pas de problème. Voilà, donc là il lui reste plus que sa patte arrière. Donc après dès que vous avez glissé, que vous avez tapé surtout... Vous esquivez. Donc là il a plus de pattes. D'accord. Donc maintenant qu'il a plus de pattes, il ne nous reste plus qu'à le buter. Alors on fait pas le fou. Hein. On y va safe comme tout à l'heure. Ça sert à rien de se précipiter pour perdre derrière. Ce serait débile. Là par exemple j'aurais pu y retourner le taper, mais bon, on préfère rester safe. Allez. Donc franchement celui-là c'est assez simple. C'est pas trop dur. Faut juste faire attention à viser exclusivement ses pattes. Et ne jamais viser le boui-boui qu'il a en dessous de lui. C'est surtout ça. Hein. Après, normalement, ça se passe plutôt bien. Ouais, pourquoi je vous dis qu'il faut rester éloigné un maximum de lui. J'aime autant vous dire que si vous êtes pris là-dedans, ça pique. Hein. Ouais, surtout, dès que vous avez fait le coup en glissade, vous reculez, vous partez. Alors surtout dès que vous êtes coincé contre un mur, vous vous barrez, hein, parce que il risque de faire la toupie. Ah, j'étais un peu coincé. Bon, normalement au prochain coup ça passe, hein, si je fais pas le con. Voilà. Voilà, et là on a son arme 2.0. Voilà, donc pensez vraiment à casser toutes ses pattes. Donc comme je vous l'ai dit au début, première phase, vous visez la patte la plus devant possible. Vous faites un dash plus coup et hop, vous refaites un dash en arrière direct, voire deux, pour vraiment éviter qu'il vous tape dessus. Si vous êtes dans le bon timing, normalement, après le premier coup, il va essayer de vous taper. Donc comme ça, vous pouvez redasher devant et lui remettre un coup si vous avez pas mal d'endurance. Donc c'est plutôt pas mal. Et deuxième phase, surtout, vous attendez vraiment qu'il vous fonce dessus, vous esquivez vers la droite et ensuite, vous faites une glissade et vous tapez. Pour être sûr d'aller toucher ses pattes. Voilà, après c'est assez simple. Voilà, si jamais vous voyez, comme je vous ai dit, qu'il y a un risque que vous le butiez et qu'il lui reste une patte, surtout n'hésitez pas à recommencer, le boss n'est pas très compliqué. Ça devrait bien se passer. Donc maintenant on va voir un petit peu ce que fait cette arme, et vous allez voir qu'elle est vraiment géniale. Franchement cette arme-là, en version 2.0, elle est excellente.
Donc là, du coup, on a débloqué donc la double arme, donc l'arme à deux mains, donc c'est celle-ci. Donc normalement, quand vous avez l'arme standard, il n'y a pas les petits jets de flammes comme ça. D'accord? Donc là, c'est vraiment qu'elle est élémentaire, elle a des jets de flammes. Et ces jets de flammes ne sont pas là que pour faire joli. Donc, comme pour la précédente, elle est un peu plus puissante, elle a des dégâts élémentaires, ce genre de choses. Et surtout, vous allez voir que vraiment la petite particularité de cette arme, c'est que les jets de flammes, en fait, ici, vont permettre à faire des attaques de feu, en fait. Donc suivant le combo que vous allez faire, bah, à la fin du combo, il va y avoir une attaque de feu. Par exemple, si je fais ce combo-là, vous voyez qu'il balance du feu juste devant lui. Regardez. Là, vous voyez, il balance du feu. Si, donc alors là, pour faire ça, j'ai fait R1 puis deux fois R2, hein. Donc je pense que vous connaissez un petit peu. Par contre, si je fais deux fois L1 et... non, deux fois R1, pardon, et une fois R2, vous allez voir, là, c'est un peu plus stylé. Vous voyez? Donc cette arme-là est vraiment très sympa. Pour ceux qui aiment jouer avec les armes à deux mains, enfin une dans chaque main, c'est vraiment très cool parce que vous pouvez vraiment faire des gros gros dégâts. C'est assez stylé. Et surtout, bah surtout c'est bah c'est très classe quoi. C'est vraiment extrêmement classe. Donc après vous regardez, hein, y a plusieurs combos qui permettent de faire des jets de flammes différents. Donc c'est sympa. Donc voilà un petit peu la particularité de cette arme. Donc très sympa. Je pense que je vais jouer un petit peu avec celle-là après. Et puis voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura bien aidé. Alors comme d'habitude, j'essaye aussi de vous montrer un petit peu au plus simple comment attaquer le boss. Enfin de la manière la plus sûre, sans se prendre la tête. Même si vous voyez que je gère un petit peu mal mon endurance, parce que comme je vous ai dit, à côté j'ai du NG+, où j'ai presque 3 fois cette jauge d'endurance là, donc je peux faire quand même beaucoup plus de choses. Faut que je me réhabitue un petit peu à jouer avec peu d'endurance. Mais voilà, donc. J'essaie de vous montrer la manière la plus simple de battre les boss. En même temps, comment récupérer l'arme version 2.0. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous plaît. Et sur ce, bah moi, je vous dis à la prochaine pour le troisième boss. Où là, cette fois-ci, on pourra récupérer une lance qui, vous verrez, est quand même assez stylée. Allez, salut tout le monde.